J'ai mis un petit coloris comme ça là. Il fait chaud. Vas-y Coco. Pichonne. Ouh. Je crois que je vais retourner. Là j'ai un beau poisson. Enfin. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai des nouveaux leurres à tester. Et je vais prendre mon vélo parce qu'on va aller pêcher le long du canal. Et comme ça, ça va me permettre de me déplacer parce que je ne sais pas du tout où sont les poissons. On est mi-juin, c'est quasi ma première session ici en Belgique. Je suis en Belgique. Et c'est quasi ma première session et je ne sais pas du tout où sont les poissons. Donc du coup, je pris mon vélo pour aller rapidement de spot en spot du canal. J'avais une pochette de leurres, ça avait trop bien donné. Les Scoletonius. Un coloris rose et un coloris plutôt naturel. Et je vais pêcher avec des plombées très légères. Bon, il y a du vent, donc ça c'est vraiment pas cool, mais bon, voilà. Et je vais essayer avec ces leurres ultra souples, vu qu'ils bougent très fort avec une faible petite animation. Croisez les doigts. Voilà, mon vélo il est là. C'est un vélo électrique de la marque Mockwheel. C'est un vélo électrique avec une grande autonomie qui peut... Enfin, je l'ai débridé, j'ai réussi à le débrider, donc il va jusqu'à 40 km/h, enfin même plus, j'ai fait 48 km/h, c'est limite une moto en fait. Hop. Et voilà la bête. Donc c'est un vélo fat bike hein, qu'on appelle avec des grosses roues là. Vous pouvez voir ici la taille des roues. Donc c'est un vélo électrique, la batterie se retrouve ici dans le cadre à l'intérieur, elle peut se déclipser, on peut l'enlever. Suspension avant, pas de suspension arrière sur ce modèle-ci. Un petit indicateur ici et on peut voir certaines informations comme le niveau de batterie, la vitesse à laquelle on va aller. On peut choisir la participation ou pas du moteur électrique. Donc on peut rouler sans moteur électrique ou avec moteur électrique, on peut choisir. Bon, on a tempête de vent, mais bon, c'est comme d'habitude en Belgique, pluie, vent, 13 degrés, mi-juin, c'est juste pas du tout normal, mais bon. Bon voilà, ici j'arrive dans un tournant. On est au bord du canal. Je vais essayer de pêcher un petit peu ce tournant là. Hein, pêcher ici. Ceux qui font du vélo et de la pêche en même temps, si vous avez des conseils à me donner, allez-y parce que là j'ai aucune idée de comment je peux attacher ma canne. Que ce soit pratique ou là je la tiens en main quand je roule. Ouais, je peux peut-être faire ça. Ouais. À la limite des vagues tellement qu'il y a du vent, super quoi. Pas de touche ici, c'est pas de suivant. Alors ce vélo aussi, les roues, elles sont, je vais pas dire indestructibles, mais si on crève, on peut continuer à rouler, elles sont genre déjà pré-gonflées quoi. Voilà, on arrive au spot suivant. Oh. Je viens de prendre une frappe. C'était à la tombée. Hein. Ah non. Ah, j'ai perdu mon premier leurre déjà. Ça commence. Il fait chaud. Premier poisson. Perche, je crois. Oh, c'est un petit cendre. On est dans l'épuisette pour pas le passer dans les herbes.
premier poisson, c'est cool ça. Yeah. Voilà. Sympa, hein. C'est un tout petit cendre. Petit cendre, mais bon, ça fait plaisir quand même. Hein. On sait pas ça qu'on traque, hein. C'est pas ça qu'on est en train de chercher. Je vais les remettre dans l'eau. Vas-y, coco, voilà. Yes, j'ai du mal à m'abaisser parce que j'ai cassé une côte, une de mes côtes. Alors, c'est difficile pour pêcher, mais bon, il y a quand même moyen. Bon, voilà, j'ai changé de coloris. J'ai mis un petit coloris comme ça, là. Naturel. TP de 2,5 g. En tungstène. De la marque Topis aussi. C'est une marque qui se veut plus respectueux de l'environnement. Avec pas des TP en plomb, mais du tungstène. Avec... pas du plastique classique, mais du toxique, du plastique sans matière toxique. Donc plutôt sympa. Ok, du coup, on prend le vélo et on va au spot suivant. Allez, c'est parti. On les herbes là. Il y a des beaux spots de pêche ici. Et merde, j'ai cassé, putain. Troisième leurre perdue déjà. Ou quatre, je sais plus. C'est une blague ou quoi? J'ai fait deux lancers, je suis retanqué. Vas-y, je l'ai récupéré sur. Ah, je me suis retanqué dans la pierre après, c'est une blague ou quoi? Ah, c'est bon, c'est décroché. Putain, mais je suis loin en plus, il y a encore des cailloux là. C'est bien quoi, ça veut dire qu'il y a de, potentiellement de bon. J'ai pété mon leurre encore, putain, c'est une blague. Okay, il y a de la pierre là. Pichonne. Oh, oh là, j'ai harponné un truc, putain, j'avais harponné un truc. Et j'ai nouveau cassé, c'est une blague ou quoi? Bon ben super, un lancé, et je suis de nouveau à refaire mon montage. Vous connaissez ça quand même, hein? Ces moments là, à la pêche où vous n'arrivez pas à pêcher là, tu vois. J'avais encore un poisson au bout de la ligne et bon, il est harponné probablement, mais ça me saoule de refaire ma ligne encore une fois. Allez. Putain, c'est une blague ou quoi? Je me suis fait couper à la touche quoi. En plus, ça n'a rien à voir avec les pierres parce que je me fais couper à la touche sur mon hameçon drop shot quoi. Je crois que j'ai harponné un truc. Là, je suis quasi sûr que ça a harponné parce que. J'ai pas eu de tape. Bon, un gros poisson quand même. Hein. Bon, je pousse un peu mon frein. C'est une brème, je crois. Oh, il m'a renvoyé mon leurre. Bon, c'était probablement un poisson harponné. Oh putain! De ouf que je viens de prendre. Ah, je me suis fait super mal à la côte. Oh, en plus il s'est décroché, j'ai vraiment pas de bol aujourd'hui. Là c'était un gros fish. Hein. Il m'a défoncé le bazar. Bon, petit bilan là. Quelques touches quand même, un petit cendre. Donc un petit peu d'activité quand même, mais les résultats, j'ai pas trop de chance. J'ai perdu plein de leurres aussi dans le fond. Voilà, bon, on va encore continuer, on a encore un petit peu de temps. J'ai parcouru déjà pas mal de kilomètres là avec le vélo, ça me permet vraiment d'avancer à fond et d'aller chercher vraiment les spots qui sont les plus intéressants et de m'arrêter que sur ceux-là. Là, si je devais marcher jusqu'à la voiture, je pense que je mettrais genre une heure.
Là j'ai un beau poisson. Enfin. Là j'ai un beau fish. Ouais, il y a la péniche évidemment. Au moment où il y a la péniche, ça va être compliqué. C'est un cendre, je l'ai vu. Il y a le courant de la péniche, là ça craint. Là j'ai un beau fish. Pourquoi juste au moment où il y a la péniche? Ok, ça va, ça gère. Il est bien piqué, il a engamé le leurre. Il n'a pas été dans les cailloux. Choc. Ok, c'est un beau cendre. Yes. Non, il n'est pas si piqué. On a une petite plateforme là, je vais essayer de descendre dessus. J'ai pas pris mon épuisette télescopique. Et je m'en vais un petit peu. Ah, avec ma côte pétée. Ok, je suis super bien mis ici. Yeah! Voilà! Ça, c'est un fish. Yes, baby! Lui, il a bien bouffé la cantine. Il est gros, il est pas si long, mais il est gros. Cool! Ça vaut la peine de prendre ce vélo et de faire des kilomètres et d'aller un peu plus loin que d'habitude. Dans des zones probablement moins pêchées. Voilà. Bah, j'ai remis. En fait, j'ai fait mes deux poissons sur le même leurre. Deux coloris différents, mais le 3 pouces, le petit leurre. Et ben voilà. Voilà un beau cendre. C'est mieux que celui de tout à l'heure. Je sais pas pourquoi il clape la gueule. J'ai jamais vu un cendre faire ça. Je crois qu'il veut retourner dans l'eau. Il est reparti. Oh yeah. Là je suis trop content. Franchement, il y a eu passage de péniche. Encore une autre qui passe, il faut que je sorte d'ici parce que je vais me prendre une vague dans les pieds. Ok. Je suis trop content là. C'est un beau poisson. Avec ma côte pétée, évidemment, pour remonter, c'est pas facile. Oh, la souffrance! Oh, il y a certains mouvements où c'est juste impossible avec la côte pétée. Je me suis cassé une côte au karting, en fait. J'ai fait du karting et j'ai eu un accident. Il y a un gars qui roulait pas très bien. Et du coup, je sais pas, il avançait pas, il s'est retourné en plein dans un tournant et j'arrivais à fond de balle derrière lui. Du coup, j'ai pas su l'éviter. Donc je me suis pas arrêté ici par hasard. Quand je suis arrivé, il y avait plein d'alevins en surface. Et je me suis dit, oula, là ici, il y a quelque chose à faire, quoi. Donc je me suis arrêté. D'ailleurs, la preuve, il y a un beau cendre à la clé. Oh putain, j'avais un poisson, je l'ai décro encore. J'avais de nouveau un poisson. Et là je l'ai décro. C'était nouveau un cendre je pense. Et il avait pas l'air moche. Bon après ce beau cendre et encore un autre raté. Enfin décroché plutôt. Je vais prendre la route du retour. Bonjour. Et bien voilà, station de pêche terminée, je suis de retour à la voiture. Bon voilà, je remets le vélo dans la voiture et je rentre chez moi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ça change un petit peu de faire moitié sport, moitié pêche. Bien que moi, j'ai pas fait beaucoup de sport, sachant que c'est un vélo électrique. Suffit avec la petite version débridée là, que j'ai trouvée. Suffit de pédaler un tout petit peu et on va jusqu'à 40 km/h. Donc je peux vous dire que c'est
presque plus un vélo, c'est un peu une mobylette. Mais moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde.